Bonjour à tous, la série Birdie fait escale aujourd'hui en Normandie, à une heure de Paris, une petite demi-heure de Rouen. Vous trouverez le golf PGA France du Vaudreuil. Et qui mieux que son propriétaire pour en parler, Jean-Claude Forestier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Bruno, merci. Merci de nous accueillir, c'est un petit paradis ici, un parcours magnifique, de l'hôtellerie, une académie, un centre de fitting, c'est le paradis pour le golfeur. Ben, on essaye d'en faire un endroit évidemment très agréable, avec surtout une caractéristique, c'est celle toujours de projets permanents, d'amélioration de, à la fois du parcours, mais aussi des installations, des infrastructures, sur tous les plans, y compris bien sûr l'enseignement. Au départ, c'était vraiment l'enseignement moi qui me passionne dans toutes les parties du golf, tous les secteurs du golf me passionnent, mais l'enseignement, je suis très, très passionné d'enseignement. Mais pour recevoir les gens, évidemment les golfeurs, un hébergement peu à peu très spécialisé avec un petit hôtel musée qui raconte l'histoire du Grand Chelem, oui. Avec un pavillon Ryder Cup qui raconte la Ryder Cup. Et puis à terme encore 3-4 maisons et pavillons qui vont raconter différents tournois. Alors parlons du parcours, ce parcours qu'on a vu progresser d'année en année, un parcours qui s'est bonifié grâce à plein de choses, l'investissement, peut-être grâce aussi à une belle épreuve que vous recevez chaque année, dites-nous un peu plus. Il est évident que recevoir le Challenge Tour chaque année nous met une pression extrêmement positive sur toutes les équipes, à la fois sur le plan réceptif, mais surtout sur le plan préparation du terrain. Donc c'est ce fil conducteur que nous dicte, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, l'European Tour, qui nous permet de progresser dans le bon sens. Les gens ont l'air heureux ici. Disons que c'est un petit, c'est un microcosme, une ambiance de passionnés. Donc évidemment, les passionnés, ils sont à leur aise et puis voient le papier. Il faut vous rappeler qu'on est seulement à une toute petite heure de Paris, vraiment une toute petite heure. Donc prenez votre voiture et venez découvrir ce que Jean-Claude a pu faire ici. C'est vraiment magnifique. Denis, oui, bonjour. Vous venez de faire un hold-up. Qu'est-ce que c'est qu'un hold-up ? Un hold-up, c'est pas compliqué. C'est une balle topée qui rebondit en bord du green, qui monte en cloche et qui tombe à moins d'un mètre du trou. Bravo. Sur le 15 ? Oui, sur le 15 et sur les autres aussi, de temps en temps. Bon, bravo. Denis est membre du club ici ? Absolument. C'est sympa, ce club. Très sympa, plus que sympa. Là, après, regardez, une très bonne ambiance. Et belle compétition aujourd'hui. Belle compétition, bien organisée. On n'attend pas pour jouer. Avec autant de participants, c'est assez rare. On est au départ du 16. C'est votre trou préféré ? Pas spécialement, pour être honnête. Je vais essayer de faire encore un hold-up. On est avec Jean, Michel. Jean qui a un double objectif aujourd'hui, gagner la compétition et le concours, le Grand Prix de l'élégance, parce qu'avec un magnifique pantalon vert comme celui-ci, Jean est au taquet. J'ai beaucoup plus de chance pour la deuxième solution. Je pense. C'est vrai ? On n'a pas très bien joué aujourd'hui ? Non, parce que le pantalon est très très bon, c'est pour ça. Le pantalon est très bien. Voilà, je joue très bien aussi. Mais... On a toutes les couleurs, je suppose. Mais le vôtre est pas mal non plus. Hein. Non, pas mal, mais bon. Bon, Jean, le 17, belle approche quand même, non ? Oui, très bien, très belle approche. Surtout que c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, j'apprécie encore mieux. Définitivement, on va aller à la remise des prix et on est confiant pour le Grand Prix de l'élégance. J'y crois aussi. Rennes, membre du golf du Vaudreuil depuis longtemps ? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est un club super. C'est-à-dire 25-30 ans. Quoi. 25-30 ans ? Tout à fait. Vous avez vu l'évolution qu'il y a eu ici ? Ça devient magnifique. L'évolution a été éblouissante parce que M. Forestier a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait un club de golf tel que ça doit s'appeler ainsi. Avant, ça ne l'était pas. Quel est l'index de Rennes ? Oh, j'ose pas le dire. Si je veux savoir. 32. Il y a bien un trou préféré ici ? Non. Non. Vous les aimez tous ? Non, je les aime tous parce qu'ils sont tous en compétition avec moi-même. C'est-à-dire à chaque fois, il y a un challenge qu'il faut faire. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors donc, c'est systématiquement, tous les trous ont leur particularité, mais il faut les dompter. Place maintenant à la pédagogie. Je suis avec les professionnels, et pas des moindres. Guillaume Biogeau, déjà head pro ici du Golfe du Vaudreuil et aussi directeur. Bonjour Guillaume. Bonjour Michel. Et Timothée. Bonjour Michel. Merci pour cet accueil incroyable et puis pour ce golf, bravo pour cette ambiance que vous avez su installer, pour ce professionnalisme. Ici, eh bien, on a découvert des infrastructures étonnantes et puis au-delà de la passion, la culture du golf. Oui, merci. Effectivement, on fait en sorte de,
de faire vivre au sein de ce club un esprit golf très fort, une culture golf, comme tu le dis très gentiment, qu'on essaie de respecter et de faire grandir. Tout ça, bien évidemment, par l'impulsion de Jean-Claude Forestier. Exactement, d'un propriétaire extraordinaire qui a une passion et une culture golf tout à fait impressionnante et qui fait que ce lieu, depuis 11 ans, a super bien évolué et qu'on essaye tout à fait humblement avec Timothée de continuer à faire évoluer au quotidien. Au niveau de la pédagogie, comme vous le savez, la série Birdie part toujours sur le parcours en situation. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans ta scène individuelle ? Moi, je vais vous parler un peu du driving. Très bien. Si ça te va, ça avec va un peu bien. De technologie pour essayer de faire encore mieux comprendre aux gens qui te regardent régulièrement et qui vont nous regarder comment améliorer leur drive. Pour tout niveau. Pour tout niveau. Timothée. Alors nous, Michel, on sera sur le parcours. Oui. Sur le trou numéro 13 donc, du golf du Vaudreuil. On abordera un petit peu l'aspect stratégique sur un coup en particulier du rough. Très bien. Voilà. Donc un coup pour se sortir d'un problème. C'est ça. Et pour ma part, je vous offre une coupe de champagne dans le bunker. Nous avons... Oui, c'est la surprise. Nous avons aussi une scène que nous jouons tous les trois d'une manière différente. Ça sera sur le parcours et c'est tout de suite. Nous sommes au trou numéro 13 du golf du Vaudreuil. Par 4 assez court et aujourd'hui nous avions beaucoup de vent avec. Nous avons fait un drive correct, messieurs. Pas mal. Et nous avons un coup de 45 mètres. Tous les trois, nous allons vous expliquer comment chacun à notre manière nous voyons ce coup-là. Messieurs, vous êtes d'accord ? Absolument. Allez. En ce qui me concerne, je vais jouer le club le plus ouvert du sac, un 58 degrés. Et je vais essayer de faire une balle assez haute, qui pitch très proche du drapeau et qui s'arrête rapidement. J'essaye. Superbe. Magnifique. Lovely. Est-ce que tu as fait exprès d'ouvrir un peu la face de club avant de démarrer ? Tout à fait. L'objectif est vraiment d'avoir le plus de loft à l'impact pour créer le plus de hauteur possible. D'accord. Prochain coup, Tim. Ok. Allez. Bon, alors moi, je vais peut-être pas tenter un coup aussi ambitieux. En plus, aujourd'hui, je ne vois pas très très bien. Je fais des petites grattes. Donc moi, je vais prendre un pitching wedge. Je vais essayer de faire glisser mon club et de faire pitcher ma balle 5 mètres avant l'entrée du green. En plus, j'ai un peu de place, donc je vais essayer de la faire rouler ensuite. Ok. On va essayer ça. Pas mal. Magnifique. Top. Super. Bien joué. Et toi, Michel ? Eh bien, moi, je vais faire à peu près la même tactique que toi, mais je vais prendre encore plus de sécurité et je vais même imaginer que je suis sur un links et qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent et je vais taper encore plus court et avec un club encore plus fermé, le faire 7. Voilà. Donc, je me mets en position et donc là, c'est juste mon visuel qui va changer. Je vais viser avec mes yeux donc à peu près 15 mètres avant le début du green. Je vais mettre mon club plutôt droit, pas trop d'angle ici, pas trop d'angle, plutôt droit. Des poignées fermes, une balle à droite. Et je vais faire un coup assez sec et court, avec donc beaucoup plus de roule. J'en profite puisque ici, les pré-greens sont vraiment très rares. Pas mal aussi ça. Voilà messieurs. Bien joué. Bien joué. Trois coups complètement différents. Merci messieurs. Trois coups complètement différents. Est-ce qu'on peut... Est-ce que tu penses que l'on peut, même si on n'aime pas trop, donner un coup à un certain niveau, mais est-ce que tu penses qu'il y a un coup qui est plus adapté à des joueurs qui sont plus débutants et un des joueurs plus expérimentés ? Moi, je pense que le mien, il ne correspond pas à un débutant, en fait. Je pense que le mien, il paraît facile à faire, mais il n'est pas facile. Je pense que le tien n'est pas non plus cadeau, mais disons que l'amplitude, la symétrie est peut-être quelque chose de plus... qui s'approprie facilement au début parce qu'on a des repères au niveau spatial plus clairs. Okay. Là, on est dans quelque chose d'un peu rigide au niveau des poignets, mais où je dois garder une certaine flexibilité de mes bras. Je pense que cette dissociation n'est pas si facile à faire que ça. D'accord. Et je pense peut-être que si tu es d'accord, je pense que Timothée, lui, il était aussi dans un créneau de coup qu'on peut s'approprier assez facilement aussi. Super. Après, c'est mon avis. Tu peux peut-être avoir un avis différent, mais... Non, je trouve ça effectivement... ce qui est intéressant surtout, c'est que je pense que les gens qui vont nous regarder puissent, dans cette situation, eux aussi essayer ces trois formules, ces trois coups différents et voir lequel ils s'approprient le plus facilement. C'est le but je pense que c'est vraiment l'objectif, c'est qu'ils réussissent chacun à voir avec
quels coups ils vont être le plus performants. Tout à fait. Nous y sommes, golf du Vaudreuil, trou numéro 14. Deuxième coup assez délicat dans le rough. Je suis dans un foin, ma balle est très enfoncée. Ça peut vous arriver à vous aussi dans d'autres golfs. Donc c'est une situation qui demande un petit peu de réflexion. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire deux coups différents. Le coup, on va dire extraordinaire, qu'on peut tenter en match play si on n'a absolument rien à perdre. Donc ça, c'est le coup, on va essayer de passer au-dessus du green. Un coup très agressif ou le coup peut-être un peu plus smart qui peut vous rendre service, notamment dans vos compétitions en stroke play. On va essayer de réfléchir peut-être un peu plus et de jouer un coup plus vers la gauche sans se mettre en jeu les bunkers, sans transpirer, manière à sauver son par ou son bogey. Mais voilà, on va essayer de faire les deux coups. On commence par le coup agressif. C'est parti. Donc objectif plein drapeau. Ok, un petit peu long mais ça me va. On va faire maintenant le coup un peu plus sûr. Donc je vais dropper une balle. On va voir comment sera le lie, mais à mon avis, pas terrible. Pas terrible. Donc cette fois-ci, je vais prendre une option beaucoup plus sûre où je vais jouer sur la partie gauche du green. Donc là, si on compare mes deux résultats, une au fond du green et une sur le green. Je vais maintenant vous expliquer comment j'ai réalisé ces deux coups-là, quelles sensations j'ai eues, comment je me suis placé, quel engagement j'ai mis dans chaque coup. Donc pour le premier coup, déjà, je me suis mis dans un état d'esprit agressif, offensif, en acceptant déjà l'échec. C'est hyper important quand vous êtes en match play, quand vous choisissez une solution agressive, d'accepter le mauvais coup. Donc pour faire ce coup-là, déjà, un alignement vers le drapeau. Ce qui est hyper important dans un rough comme ça, c'est d'avoir les mains très fermes. Donc moi, j'essaye d'avoir la main droite un peu plus forte, manière à mieux gérer la face de club, à la garder le plus square possible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans mon installation, assez neutre, une balle au centre des pieds. J'ai un club ouvert, j'ai un 58 degrés. Donc à 40 mètres, j'ai choisi de garder ma face square. Et la dernière des choses pendant la dynamique, c'est d'avoir une accélération très franche, très engagée avec un finish plutôt court. Deuxième balle, donc cette fois-ci la balle plus safe. Je la redrop, pas un super lie de nouveau. Donc c'est à peu près la même installation. Simplement, là cette fois-ci, je vais adapter mon alignement. Je vais m'aligner juste à gauche des bunkers. Et je vais essayer de visualiser un coup qui va un petit peu plus rouler, donc une balle un peu plus tendue. Donc ce que je peux modifier ici, c'est mettre ma balle très légèrement milieu droit des pieds. Ok. Et je vais visualiser une balle un peu plus tendue. La dynamique reste la même. Je garde les mains bien fermes et j'essaie de visualiser une balle qui va être tendue et qui va un petit peu rouler. Nous voici maintenant dans le bunker, à 8 mètres du trou, dans une des sorties les plus délicates du golf. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes près du trou. Près du trou, dans un bunker, la difficulté, c'est mental. C'est de se dire, allez, je fais un swing en continu. La plupart des erreurs que l'on observe chez les amateurs sont des erreurs de refus d'impact. On refuse d'y aller, donc on se bloque. Et résultat, les mains passent et on traverse le green. Ça, c'est la première erreur qui arrive. La deuxième erreur qui arrive, c'est la face de club qui n'est jamais vraiment ouverte. Elle est droite devant vous, ce qui fait que vous allez vous enfoncer dans le sable. Tout ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est une sortie agréable et jouer avec le sable. Alors, comment je m'y prends ? Je vous donne les paramètres. En premier, je me positionne avec une ouverture de mon corps, c'est-à-dire que mon corps, je ne peux pas le laisser face à la balle. Je vais m'ouvrir. Mais de combien ? Pour ceux qui parlent en degrés, 10-15 degrés maximum.
Surtout que plus vous avez un club ouvert, moins il faut s'ouvrir. N'oubliez pas ce paramètre. Mais quoi qu'il en soit, on s'ouvre tout le temps. Le deuxième point, alors pourquoi est-ce qu'on s'ouvre pas trop? Parce que si on s'ouvrait trop, eh bien on pourrait hop, vraiment rater son coup comme ceci. Le deuxième point, c'est je laisse ma face de club vers le drapeau. Je ne l'oriente pas à gauche, pas à droite du drapeau, je reste simple, je la mets face au drapeau. Ce qui fait qu'avec un corps orienté à gauche, une face orientée vers le drapeau, je vais avoir donc une face de club qui est ouverte par rapport à mon corps. Attention, cette face de club ouverte, gardez-la ouverte. Ça va vous paraître bizarre devant vous, mais si ça vous paraît bizarre, c'est que c'est bon. Si ça vous paraît normal, c'est qu'il y a un problème. Donc je me mets en position, j'évite de faire revenir la face de club sur moi, je la laisse vers le drapeau. Puis, je vais stabiliser mon corps. Si je stabilise mon corps, eh bien, je vais avoir l'avantage de taper au point d'entrée idéal, c'est-à-dire 3 cm avant la balle. C'est très important. Je me stabilise et je m'ancre. C'est-à-dire vraiment, je vais avoir une sorte de position un peu assise. Pour une fois, vous pouvez un peu vous asseoir. Et après, tout l'art va être de tourner en restant assis. Si j'avais une position normale golf, eh bien, je serais tenté de faire ça. Et donc, ce coup-ci, je raterais encore la balle. Personnellement, à cette distance, avec un 60 degrés, j'aime bien faire une balle un tout petit peu haute. Donc, je ne mets pas mon poids du corps à gauche. Je reste 50-50. Mais c'est une préférence, ce n'est pas une obligation. Si je devais mettre mon poids du corps à gauche, eh bien, je ne le mettrais pas comme ceci. Je le mettrais en exerçant une pression ici au niveau de ma hanche gauche. Attention, 1, je m'ouvre. 2, la face vers le trou. Stabilisation. Maintenant, autre repère. Mon centre du corps est bien en arrière de la balle. Ici, il tombe bien en arrière. La balle est à gauche. Plus la balle est bien placée, plus je la mets à gauche. Et enfin, je fais confiance à mon bras gauche. C'est mon bras gauche qui dirige le swing. Entre ma stabilisation et mon bras gauche, j'ai tous les éléments pour avoir un bon point d'entrée exactement là où je le souhaite. À cette distance, cherchez pas le green. Cherchez à rentrer. Cherchez à rentrer. Et au moins, vous aurez le green. Cherchez une cible petite. On dit toujours, sortez déjà. Oui, évidemment, on sort déjà si on est mal placé. Mais si on est bien placé, cherchez la performance. Cherchez à rentrer. Je m'installe. Et j'ai envie de rentrer. Mes paramètres, je leur fais confiance. Presque. Pour que vous compreniez le rôle de la face de club, j'ai placé une coupe de champagne exactement au-dessus. Puis, je vais placer mon club devant moi, comme d'habitude, dans une sortie de bunker. Je vais faire attention, une fois qu'on m'a mis le champagne, de ne pas renverser le champagne à droite, de ne pas renverser le champagne à gauche, de bien passer avec le champagne stabilisé. Je fais mon swing, je passe devant moi et je me sers une petite coupe. Guillaume, la Rolls-Royce, première classe ici, c'est exceptionnel d'avoir des installations pareilles. Oui, on a énormément de chance au golfe du Vaudreuil de pouvoir travailler dans un environnement comme celui-ci. Et on a tout à fait humblement, je pense, le plus beau studio d'enseignement en France avec pas mal d'outils qui nous permettent d'analyser, j'insiste, de manière extrêmement simple ce que font les gens qui nous font confiance et viennent nous voir. Bon, ça fait tout ça est réservé aux professionnels ou les débutants peuvent venir ici? Ça fait un peu peur tout ça, non? Il ne faut surtout pas que ça vous fasse peur et je vous garantis que ça va énormément vous aider à comprendre ce que vous faites. Non, n'importe quel niveau peut venir nous voir. Et je me répète, le mot, c'est simple. Ici, on travaille la mécanique, le swing, qui est, je dirais, une petite pièce du puzzle de la performance. Ici, on travaille
tous les secteurs de la performance, tous les facteurs de la performance. À la fois ici, dans ce studio au grand jeu, on a là aussi une zone magnifique de petits jeux avec une méthodologie exactement qui s'appelle la Golf Court Academy, où on travaille tous les coups courts, sur le green et en dehors du green. Et on a aussi des sessions inspirées de Vision 54. Depuis des années, beaucoup d'explications tournent autour de l'augmentation de la distance au drive et principalement du fait de prendre la balle en remontant. J'ai positionné le TrackMan derrière moi pour justement travailler sur mon jeu et essayer de faire en sorte que de prendre la balle en remontant, j'ai pas énormément de vitesse, et d'optimiser ma distance. Malheureusement, comme vous pouvez constater ici, mon angle d'attaque est très légèrement descendant. Dès l'instant où ce chiffre est négatif, cela signifie que le club arrive en descendant. Prendre la balle en remontant, cela signifie que mon arc de swing, le point bas, va se situer avant la balle pour que mon club arrive dans une phase remontante et que j'optimise donc ma distance. En général, parfois plutôt, les amateurs ont cette tendance-là de prendre la balle trop en descendant, ce qui vous fait perdre de la distance. Aujourd'hui, j'ai tendance, moi, à prendre la balle très légèrement en descendant. J'ai du mal à la prendre en remontant pour optimiser ma distance. Facile à dire. Maintenant, comment faire? Maintenant que vous avez compris ce qu'était l'angle d'attaque, je vous propose de vous aider à l'améliorer. Des choses extrêmement simples. Vous savez que la balle doit être positionnée un petit peu plus à gauche, que le tee doit être assez haut, et c'est le cas ici. Donc quelque chose ne fonctionne pas. Très simple. Me concernant, ce qui ne fonctionne pas, c'est ma colonne vertébrale. Ma tendance, je vais matérialiser ma colonne vertébrale avec ce stick d'alignement, vous pouvez le faire avec un club, a tendance à l'impact à être trop droite, voire dans cette position-là. Vous comprendrez bien que dans cette position-là, mon club va arriver en descendant. La seule chose que je vais essayer de faire sur ce coup-là, c'est d'incliner ma colonne vertébrale vers l'arrière pour améliorer mon angle d'attaque, avoir ce qu'on appelle un point bas qui va être plus tôt et à me retrouver dans cette situation. Si vous regardez le golf à la télé ou sur Internet, principalement sur la série Birdie, vous verrez que les meilleurs joueurs du monde ont cette position à l'impact d'une colonne vertébrale qui est légèrement inclinée vers l'arrière. Pour les plus férus de technique d'entre vous, on appelle ça du side bend. Je vais donc essayer sur le prochain coup d'améliorer la position de ma colonne vertébrale pour améliorer mon angle d'attaque. Je vais essayer. Je vais d'ailleurs essayer dès ma position initiale. Hop, un peu en arrière. Grâce au TrackMan, on va voir si j'ai amélioré. Pas mal. Effectivement, sur ce coup-là, j'ai réussi à augmenter mon angle d'attaque. Vous pouvez constater, presque un peu trop. L'idéal, et le seul conseil que je vous donne par rapport à ça, d'être vigilant sur le fait de ne pas vous faire mal. Dernière chose, je me répète, ce qui vous aidera à prendre la balle en remontant et d'avoir un haut du corps légèrement en arrière, il n'empêche que ma pression est toujours sur mon pied gauche. Ce que je vous encourage à faire, c'est de le faire au ralenti, sentir que le haut du corps est derrière la balle, mais que ma pression est sur mon pied gauche. Le seul danger de cet exercice est de chercher à rester en arrière en gardant la pression sur l'arrière. Donc, en haut du backswing, il y a un transfert de poids qui s'exécute par le bas du corps et le haut du corps reste en arrière pour pouvoir prendre la balle en remontant. Légèrement en arrière, longtemps. Ok, pas mal. 4-4 en remontant. Exactement le chiffre que je recherche pour optimiser ma distance sans rester trop en arrière, juste en étant incliné pour optimiser ma distance au drive. J'espère que cette séance va vous permettre de mieux comprendre, déjà d'avoir compris ce qu'était l'angle d'attaque, et de pouvoir le faire grâce à la position de votre corps et principalement au haut du corps. À très bientôt. Bonjour, nous sommes avec Anthony.
Bonjour. Anthony, le chef de la restauration du golfe du Vaudreuil. Anthony, merci de nous accueillir. Tout va bien? Je vous en prie, plaisir est pour moi. Bon, Anthony va nous préparer un petit plat qui a une très bonne réputation ici et je crois qu'on va se régaler. Effectivement, je vais vous présenter deux plats qui fonctionnent très fort dans le restaurant. Sur la carte d'été, j'avais les crevettes de Madagascar, la Belle Rouge, qu'on sert avec de la patate douce, c'est une émulsion d'ail noir. Et ensuite, on finira la réalisation d'un dessert aux fraises qui était de saison, avec une chantilly à la mascarpone. Anthony, au boulot, parce que ça a l'air très bon tout ça. La particularité de cette crevette, en fait, c'est qu'elle a un cahier des charges très précis au niveau de son alimentation. Ce qui fait qu'on est sur un produit qui reste ferme, la tête n'est pas molle. La carte, elle change 4 fois dans l'année. Et voilà, c'est une bayonnaise en fait à l'ail noir. L'ail noir, c'est pas du tout agressif en goût. On n'a pas ce côté désagréable de l'ail. C'est plutôt quelque chose de parfumé qui pourrait faire penser à la réglisse. C'était rapide, hein, juste quelques minutes. Le dressage important, je suppose, toujours. Alors sans trop en faire non plus, parce qu'on a clientèle d'affaires le midi qui est quand même extrêmement pressée. Et alors ça c'est quoi? Une tapenade. Tapenade. Ça c'est quand j'étais gamin, j'adorais ça. Mais... Connais la différence entre toi et moi, toi tu tiens la caméra et moi je mange. Cuisson sur une feuille sur pâte, ce qui va me permettre de ne pas coller. Voilà, une fois qu'on a formé le cylindre, un petit peu de menthe pour la fraîcheur. On termine avec une chantilly de mascarpone. Il veut pas me laisser faire, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va laisser faire le chef, chacun son métier. Et voilà, bonne dégustation. Waouh. Chef, merci pour ces deux magnifiques réalisations. Il ne nous reste plus qu'à passer à table et à déguster. Merci Anthony. Merci, tout plaisir a été pour moi. Merci. À bientôt. Merci.